Salut à toi, jeune spatialote, et bienvenue pour ce nouveau live MS-18, voilà, lancé par un Soyouz. Aujourd'hui, on se retrouve avec Yataka. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Ça va très bien. Alors, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Parce que maintenant, je vais faire gaffe, parce que je lance des lives, on m'entend pas et tout. Donc, je crois qu'on t'entend pas. Attends. On m'entend pas? Si, on m'entend ou pas? On est bien dans le... Moi, déjà, je suis sur un max, et ça, c'est insane. Je vais faire gaffe. Ah oui, on entend, c'est vrai. C'est sûr, on m'entend, c'est bon. Juste que moi, on m'entend deux fois plus fort. Mais... Ouais, c'est pour ça que j'ai réduit un peu. Merci à toutes les personnes qui sont là. Donc, le lancement devrait se faire vers 9h42. Il y a déjà un flux de la NASA, mais on le regardera juste après. Alors, ça tombe bien. Est-ce qu'on peut dire la vidéo que tu es en train d'écrire ou pas? Absolument. Je suis actuellement en train de faire une vidéo sur le Soyouz, donc ça tombe à pic un petit peu ce live, on peut dire ça, oui. Et un peu trop forte, ok, je baisse un peu ta voix et vous me dites si c'est toujours trop fort, voilà. Il est en train d'écrire une petite vidéo sur le Soyouz, le petit plaisir. Donc voilà, normalement, après là t'es encore dans l'histoire du Soyouz. Ah oui, non mais pour l'instant, Je suis à 800 mots, j'ai même pas prononcé une fois le mot Soyouz, donc... Ok. Du coup, on va commencer, j'ai fait ma petite présentation PowerPoint, le petit plaisir, voilà. Du coup, aujourd'hui, c'est ce Soyouz, voilà. Le Soyouz, en fait, c'est la capsule, mais c'est aussi le lanceur. Il porte le même nom, et aujourd'hui, c'est le Soyouz version 2.1A, il y a la version 2.1B... Et ça dépend, ce qu'ils peuvent mettre diverses charges utiles, enfin diverses masses de charges utiles en orbite. Ça dépend des versions. Aujourd'hui, cette version-là peut mettre en LIO, donc en orbite basse, 7 tonnes. Et en GTO, 2,8 tonnes, donc en orbite géostationnaire. Mais cette version-là, aujourd'hui, elle va être utilisée pour rejoindre l'ISS. L'ISS se situe à environ 400 km d'altitude. Donc, on est en LIO, donc en orbite basse. Oui. Donc, elle fait 46 mètres de hauteur, 2,95 mètres de diamètre. Et elle a 4 propulseurs d'appoint, effectivement, là, ce que vous voyez vers le bas. D'ailleurs, je vais juste vous l'afficher dès maintenant. Voilà, les propulseurs d'appoint, c'est ce qui est en rouge. On peut les appeler aussi les boosters. Le diamètre que tu as mis, c'est le diamètre des boosters. C'est pas vraiment le diamètre total de la fusée. Alors, il y a aussi le diamètre avec les boosters, ce que j'avais trouvé, et je crois que c'était environ 10 mètres. J'ai pas mis le diamètre du premier étage. Je sais pas si... Ouais, bon. Il faudra que je revoie. Du coup, ces boosters-là, ils ont à peu près... ils ont un diamètre de 2, enfin, voilà, on tourne aux alentours des 2 mètres. Du coup, il y en a 4. Là, on n'en voit que 3, mais il y en a un derrière. Et on peut les appeler du coup les propulseurs d'appoint. C'est comme la Falcon Heavy, la Falcon Heavy de SpaceX. Elle a deux propulseurs d'appoint sur les côtés. C'est pareil, ça aide à l'ascension. Et ils sont éjectés un petit peu plus tard lors du vol. Enfin voilà, j'ai pas l'altitude exacte, mais ils sont éjectés normalement après quelque chose comme 2 minutes. Ok. Du coup, toute la fusée fonctionne au kérosène et au LOX. Est-ce que c'est pas des boosters solides? Ah non, absolument pas. Ils utilisent aussi du kérosène et du LOX. J'avais peur de faire une erreur. Donc, kérosène, LOX, moteur, c'est le RD-107A et poussée 839 kN. Voilà. Il y a une toute petite différence de moteur avec l'étage central qui est, techniquement est un RD-107-8. Je crois que c'est le A aussi. Là, c'est le RD-108A pour le premier étage. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, grosso modo, la différence, c'est juste les petits moteurs vernier, donc qui servent à contrôler la fusée. Là, il y en a 4 au lieu de 2. Tout à fait. Sur le 108A. Donc là, pareil, la hauteur, le premier étage, voilà, c'est ce qui est en rouge. Hein. Il descend encore plus bas, mais on ne voit pas avec les propulseurs d'appoint. Et donc, pareil, ça fonctionne au kérosène et au LOX. Il y a un second étage, qui est juste au-dessus du premier, logique. Qui fonctionne aussi au kérosène et au LOX avec le moteur RD-0-110 et il a un petit peu moins de poussée évidemment que le premier étage puisque il n'y a pas besoin d'avoir énormément de poussée quand on est dans l'espace quoi. Ensuite on a la capsule Soyouz
Donc la capsule Soyouz, elle fait environ 10 mètres, 10 mètres de hauteur, donc 10 mètres de, ouais, 10 mètres de hauteur quoi. Diamètre 2,65, sans compter les panneaux solaires, parce que les panneaux solaires, bah, ça rajoute énormément en diamètre. Donc énergie, bah, solaire, logique. Habitable à 9 mètres cubes, c'est à peu près la taille d'une chambre, voilà, à peu près. Équipage, ouais, une petite chambre, c'est, on va dire c'est vraiment la taille minimum pour une chambre. D'ailleurs la musique est un peu forte, hein, je trouve. C'est un peu la musique. Voilà. L'équipage, on peut en embarquer, on peut en embarquer 3 à bord. Et elle se divise en 3 parties. Vous avez, alors, je ne sais pas si tu veux expliquer les 3 parties du Soyouz. Oui. Donc, il y a déjà en, le plus bas, c'est l'étage de service, hein, disons, disons. Avec les panneaux solaires. Donc là, c'est, oui, parfaitement. C'est là qu'il y a tous les systèmes de base pour la survie de l'équipage. Hein, et que là, là aussi, on a les réservoirs. Ensuite, on a l'étage de descente qui est au milieu. C'est dans cet étage que l'équipage va rentrer sur Terre et c'est là qu'ils sont aussi pendant le décollage. Et ensuite, on a l'étage orbital. Donc là, on l'utilise que quand on est en orbite. Et une fois qu'on va rentrer sur Terre, on va le larguer. C'est juste un peu plus d'espace parce qu'au début, aux premières missions Soyouz, les dockings pouvaient être très très longs. Du coup, bah, c'est quand même sympa d'avoir plus de, que 3 mètres cubes. Ouais, c'est clair. Et c'est là aussi qu'il y a l'écoutille. Oui. En gros, les trois, en fait, c'est trois parties qui vont se découpler à la rentrée de la Terre. Il n'y aura que le module de descente, bah, le module de descente avec les astronautes. Mais les deux autres, ils sont cramés hein, dans l'atmosphère, dans tous les cas. Hein. Oui, ils sont cramés. Mais voilà, en fait, ça se sépare, les trois parties se séparent. Et puis voilà. Et donc ensuite, il y a quelques petites photos que j'ai trouvées sur le site de la NASA. Bah, alors, elles datent un peu, hein, parce que les... j'ai essayé de trouver des photos récentes du Soyouz, mais... Mais c'est 2014 à peu près minimum, sinon les photos que j'ai trouvées sont en 2003, mais elles sont de très bonne qualité, donc c'est cool. Donc là, c'est un petit Soyouz qui est en approche de l'ISS, donc très sympa. Et vous avez le Soyouz qui est docké, et j'ai pas la photo, géniale, c'est vraiment énorme. Ah oui, parce que je l'ai pas, bon, faudrait que je remette ça. Faudrait que j'aille la rechercher. J'ai oublié la remettre bien. Hop. Image. Voilà, tac. Voilà, et là c'est un Soyouz du coup qui est docké à la station. Donc cette image elle date à peu près de 2003 je crois, donc ça date un peu. Mais bah, de toute façon c'est les mêmes, à peu près les mêmes technologies depuis des années et des années. Donc ça n'a pas changé sur ce point. Il y a eu quand même des petites updates. Hein. Oui, oui, genre, non, tout à fait, oui. Tout à fait. Mais bon, d'une manière générale ça reste la même technologie quoi. Oui. Et du coup, à droite, là, vous avez la structure de la station. Et ce qui était marrant, c'est que j'ai trouvé des photos avec une navette spatiale et un Soyouz docké en même temps. Voilà, ça m'a fait bizarre. Et du coup, voilà. Du coup, est-ce que ça faisait des questions sur le vol? Je pense qu'on a à peu près tout dit. Du coup, aujourd'hui, oui, bah, on peut parler un peu de la mission. Du coup, aujourd'hui, MS-18 doit rejoindre donc, l'ISS avec à son bord. Alors, j'ai pas le nom exact des astronautes. Il bah, y a deux Russes, donc je vais pas vous le cacher que voilà. c'est Oleg Novitsky, Piotr Dubrov et l'américain Mark Van de Hey. Voilà, désolé s'il regarde ce live, si j'ai écorché son pseudo. Son nom, pardon, pas trop pseudo. Du coup, la mission va permettre. Parce qu'en fait, il y a des roulements de l'ISS. Et là, on va être au 65e. Et c'est cette mission qui va, entre guillemets, inaugurer ce 65e roulement. Et donc, le début de l'expédition 65. Donc au départ, de toute façon c'est tout dans la description, hein, là je lis juste le résumé que je vous ai mis dans la description. Au départ donc bah, ça va être l'équipage d'aujourd'hui. Donc l'équipage que je viens de vous dire avec les deux Russes et un Américain. Et ensuite, et en plus l'équipage de Crew 1, parce qu'il y a aussi Crew 1 actuellement dans l'ISS. Mais Crew 1 devrait se dédocker je crois fin avril, quelque chose comme ça, de l'ISS pour revenir sur Terre. Et donc, après... Crew 1 va être remplacé par Crew 2, avec Thomas Pesquet notamment, qui devrait être lancé, elle, le 22 avril, et je ferai d'ailleurs un live, voilà, je place ma pub. Pourquoi tu mets pas le live de la NASA? Oui, j'y arrive, là, j'expliquais juste un peu le lancement, tout simplement. Du coup, voilà, là, on va avoir déjà 3 astronautes dans l'ISS, plus les... Alors, je sais plus combien ils sont dans l'ISS, là, ils doivent être... Ils sont 4, il me semble. Ouais, bah, Crew 1, je crois qu'ils étaient 4, hein, quelque chose comme ça. Oui, je crois qu'ils étaient 4, mais je sais pas si l'équipage d'avant est rentré sur Terre. Mmh, ouais. Je pense que oui, hein, parce qu'ils étaient 3, donc ça aurait fait un petit peu nombreux quand même. C'est clair.
Du coup, voilà. Bon, on va mettre du coup le live de la NASA. Let's go, les gars, comme on dit. Tac. On va baisser un peu le son, d'ailleurs. Et voilà. Je vais mettre OBS juste là. Nickel. Bon, là, du coup, on a les astronautes qui sont... ils sont en train de préparer. Ça fait bizarre de les voir avec les masques. Un peu chelou. Et derrière, en fait, on a l'équipage de réserve. De... Je crois. Hein. Ouais, ça doit être l'équipage de réserve. Ah, il me semble que là, il y a toute la famille. Parce qu'en fait, ils sont en isolement pour pas... par rapport aux bactéries et tout. Et au Covid. Ah, ma GoPro vient de figer. Oui. Putain, mais j'ai vraiment des problèmes de webcam, moi. Depuis c'est... non, c'est bon. Et le clash de la NASA, effectivement, il était très cool, le clash de la NASA. Ah ouais? Bah ça... Ah, il était... Il était, quoi. Il est toujours, hein, vous pouvez aller le voir si vous voulez. Il a fait le tour du monde, donc... hein. Je vous le dis. D'après TerraTac, il y a Crew 1 et il y a l'équipage MS-17. Oui, MS-17, il devait pas se dédocker le 9 avril, je crois. Enfin, aujourd'hui. Ah, il se dédoque peut-être aujourd'hui. Oh, je sais pas. Oui, j'ai checké quand MS-17 se dédoque. Alors, ma caméra a freeze, hein, je change ça. Voilà. J'ai pas compris, ça freeze. Voilà, c'est bon. Okay. Alors, je ne parle pas, je suis pas bilingue malheureusement. Ça m'attriste énormément. Moi j'ai des petites bases de russe, donc je peux peut-être vous traduire ça. Absolument pas. Il était trop cool, ouais, le clash de la NASA, petit flou. Ouais, tout petit, hein. Il y a déjà Crew 1 et Soyuz, et cœur sur toi, Matt, on kiffe. Ouais, on kiffe, Matt. Ouais, on ils sont 7 et là ils sont 10. Ah, ils sont 7. Attends, je vais aller voir MS-17. Quand 7, est-ce pour l'instant, c'est le max, non? Alors, est-ce que normalement ils sont 6 à peu près dans l'ISS? Date de lancement, c'était en octobre. Ah, date d'atterrissage prévue le 18 avril 2021. Donc, oui, effectivement, ils sont encore. Ouais, d'un coup, ils sont bien 7. 4 plus 3, ça fait 7. Je suis nul en maths, mais quand même. Et voilà. Du coup, lancement prévu à 9h42. Voilà. Donc, dans un peu moins d'une demi-heure. Voilà. Sergei Korsakov, cosmonaut who was assigned to the until the swap for Mark Vandehei. Also speaking to Dmitry Rogozin and Sergei Krikalov from Roscosmos. Carré là comme des beaux gosses. Est-ce que bon, en attendant là qu'ils sont en train dans le petit bus là de riche là, de richos. donc il y aura 10 personnes en tout dans l'ISS. Bah, j'avoue que... Ah, oui, mais il vous restait genre à peine deux... Je crois qu'il vous restait genre une semaine, 10 ou quelque chose comme ça. Parce que Crew 1 doit se dédoquer fin avril. Donc le 28, je crois, de mémoire. Mais alors là, je peux pas vous dire. Le 28 avril, je crois. Mais du coup, très... Alors, très stylé la structure, là. On en parlait tout à l'heure avec Ataka. Mais très stylé la structure de... Ah oui, elle est insane. Du Soyuz. Oui, 10, ouais, voilà. Ils vont être 10. Et après, bah, du coup, il y a Crew 1 qui va se dédoquer et remplacer par Crew 2 à la fin du mois. Enfin, la fin, fin mi-avril, quoi. Donc, le 22 avril. Je trouve ce bus très, très beau, en tout cas. Hein. Ce bus, c'est incroyable. Je veux le même. Pourquoi on n'a pas des bus comme ça, Maurice? Et oui, bah, je reviens, du coup, le 18 avril, du coup, ça se dédoque, il y a MS-17 qui se dédoque, donc il revient sur Terre. Donc là, ils seront plus que moins 3, donc ils seront plus que 4. Non, ils seront plus que 7. Oui. Et oui, 7. Ensuite, il y a Crew 2, donc là, ils seront 11, non, 10 ou 11. Et ensuite, il y a Crew 1 qui se dédoque. Et du coup, là, ça sera moins 4, donc ça sera 6-7 à peu près. 6. Oui, ça va être un délire.
Non, putain, 7, non, c'est moi qui suis mauvais en maths là. Bon, bref, j'ai à peu près compris le délire. On n'arrive pas à faire cette édition. D'ailleurs, on peut parler, parce que là, on parle de Crew 1, on parle de MS-17, on parle de tout ça. Alors, la référence Sony, il y a des chances de test... Ah, ça me tue, il y a des chances de test de SN15 aujourd'hui. On est sur la Soyuz. Il y a des chances de test de SN15 aujourd'hui. Je sais les road clôtures, mais juste c'est chaud niveau timing, et si oui, quel test? Je sais pas. Faut demander à Matt, l'expert. J'ai vu qu'hier il y a eu le déplacement du SN15. Il arrive à son pad de lancement. Ce sera probablement un test cryo aussi, un test aujourd'hui. Bah, je sais pas s'ils en font des tests cryo. Matt il disait qu'ils ont un peu arrêté de faire des tests cryo parce que vu qu'ils maîtrisaient le truc. Mais avec les récents problèmes, peut-être qu'ils vont refaire un test cryo. Hein. Même juste pour voir s'il n'y a pas de fuite, quoi. En fait. Ouais, c'est... oui, c'est ça. Pas... Mais vu qu'ils allaient vite, ils en faisaient plus trop, je crois. Mais j'ai peut-être de... Ah, il y a le petit décompte là, 22 minutes. Non, par contre, le live. Ah, il est ancien. Hein. Ouf. Oula, le décompte, il a pris cher. Avec le petit dégradé là. Soit en remplissage classique ou en test cryo, on sait pas encore. Not pré-burner. Ah, ok. Enfin, si y a un pré-burn, techniquement, il y a un remplissage, donc j'en ai aucune idée. Alors, je pense qu'ils ont arrêté du coup de faire des pré-burners. Je pense que c'est juste moi qui ai mal compris. Ouais, mais la grue est encore accrochée, ça va être chaud. Après, ouais. Ah, bah tiens, on a la taille là. Bah voilà, on a les trois capsules là, comme vous voyez. Donc en fait, on a les trois parties. Et donc voilà, c'est tout. Voilà, ils ont expliqué à notre place. Super. Excellent. Voilà, du coup là vous avez le descente, enfin le module de descente. Ils sont là au décollage, comme nous a dit notre cher Yataka, bien sûr. Et voilà l'atterrissage. Donc là, oula, ça fait mal. Donc ça c'est le module de descente. Donc ils sont ici. Là c'est lors de la rentrée atmosphérique, ça pousse un peu les flammes là. Le plaisir. Ça, quel plaisir. Oui, du coup, je voulais vous parler, parce que là, tout à l'heure, on parlait de Crew 1, Crew 2, tout ça. Mais, se dire quoi, enfin, c'est quelle mission et tout, par rapport à MS-17, par exemple, parce que là, en fait, il y a des Soyuz. Alors, là, on a le module orbital. Du coup, est-ce que tu veux expliquer un peu les récents changements qu'il y a eu au sein de la NASA et tout, par rapport à la Crew Dragon, tout ça. Mec, moi j'ai pas suivi de ouf ça, tu vois. Mais ouais, avec la Crew Dragon, normalement il y aura quand même vachement moins de vols Soyuz avec des astronautes de la NASA. Mais comme on le voit avec ce vol, il y en aura encore. Déjà parce que il me semble qu'ils avaient déjà acheté des places. Bah en fait, je crois que normalement il devait être 100% russe le vol. Mais la NASA a fait un changement, je crois. Ou c'était dans l'équipage de réserve, il a fait un changement au dernier moment, je crois, la NASA. Il y a eu un délire comme ça. Instrumentation, propulsion, module. Ouais, donc là on est le module de service. Enfin, en gros maintenant il y a Boeing et SpaceX qui ont un peu entre guillemets remplacé le Soyuz du côté américain, et donc on va pouvoir voir des vols beaucoup plus, enfin des vols américains de la part de la NASA, et donc ça permet à la NASA de retrouver un peu son indépendance, parce que là la NASA devait acheter des places dans le Soyuz et ça coûtait quand même assez cher. Alors, le module de descente est réutilisé plusieurs fois, nous demande Jacquin Raphaël. Alors, il me semble pas. Non, je crois pas non plus. Hein. Je crois pas non plus. Par rapport. Contrairement à la Crew Dragon qui est réutilisable, je crois que le Soyuz n'a pas vraiment été fait pour ça. Enfin, Boeing, pas vraiment. Oui, c'est vrai que Boeing pour l'instant. Oui, de quoi tu disais quoi? Non, je disais le truc. Ouais. Effectivement. Boeing, oui, c'est vrai que. On a eu beaucoup de vols de la Crew Dragon. On a eu Demo 1, Demo 2. Demo 2 qui a fait énormément de bruit. On a eu Crew 1. Et là, on va avoir Crew 2. Donc, ça fait déjà 4 missions de la Crew Dragon, donc 3 missions habitées. Et pour l'instant, on n'a que 2 missions habitées. Mais là, on va avoir Crew 2 du coup. Et il devrait même y avoir un Inspiration 4 qui va être la première mission de tourisme spatial pour SpaceX et pour la Crew Dragon. Qui devrait être lancé en septembre, septembre-octobre, enfin cette fin d'année quoi.
Et donc, ça risque d'être plutôt sympa. Et du coup, ouais, Boeing enchaîne les retards. Ils ont fait leur premier vol de test. C'était en décembre 2019. C'était le 24 décembre de mémoire, quelque chose comme ça. Ou aux alentours du 20, je crois, 20, 21. Bref. Et ça a été. Ou c'était. Non, c'était pas en. De, non, non, c'était en 2019. Et il s'est pas vraiment bien passé. La CST-100 Starliner, parce que c'est la capsule de Boeing. D'un côté, vous avez SpaceX avec la Crew Dragon, et de l'autre côté, c'est la CST-100 Starliner avec Boeing. Eh bien, elle n'a pas réussi vraiment à se docker à l'ISS. Il y a eu un problème au niveau, je crois, de l'horloge du vaisseau. Oui. Et du coup, bah, elle a pas réussi à atteindre l'ISS. Du coup, ils ont dû faire un atterrissage d'urgence. Heureusement, la capsule était non habitée, il n'y avait personne à l'intérieur. Donc c'était juste un test comme la Crew Dragon. Démo 1, entre guillemets, c'était un peu pareil. Là, on a un schéma du Soyouz avec les différents tanks d'oxygène, enfin d'oxygène, de carburant et de comburant, donc de propergol, quoi. Du coup, on va peut-être remettre, que je vous montre. Donc là, du coup, voilà, on a les oxidizers. Donc ça, c'est les tanks d'oxygène liquide, si je ne me trompe pas. Oui, Et en dessous, en ça. jaune, c'est le kérosène, du coup. Voilà. On va remettre en direct. Voilà, mais ça, c'est en HD, là, ou... Oh, 720p, ouah, la NASA, là. Franchement, mettez un peu de moyens dans vos lives, hein, parce que... Waouh. Bah, disons que c'est Soyuz, quoi. Oui, c'est ça. C'est le Soyuz. C'est quand même un petit peu triste, hein. Parce que c'est probablement le lanceur le plus badass au monde, avec les Falcon Heavy. Ouais. Bah c'est vrai qu'il est assez mythique, hein. Il est assez mythique et c'est le plus fiable aussi, enfin l'un des plus fiables quand même. Donc ouais. Bon, là, on a la trajectoire de l'ISS, je crois. Ouais, on a la trajectoire de l'ISS. Pas sur Maurice. Donc là, on a la tour de sauvetage juste ici en haut, là le grand truc blanc, là ça permet d'éjecter l'équipage au cas où le lanceur ait un problème. On active les quatre propulseurs, enfin les, oui, il y en a quatre en haut, qui permet donc d'éjecter ensuite l'équipage qui est dans cette coiffe là, voilà, dans la petite coiffe juste ici. Et D'ailleurs, donc, pendant l'éjection, on a des grippes fines qui sont déployées pour pouvoir contrôler la capsule, en fait. voilà. Et c'est ce que je disais, Yataka, SpaceX n'a rien inventé. Voilà. Donc ouais. Et on a fait le Soyuz hier dans KSP, Kerbal Space Program. C'était Ah, le clairement mieux. On me dit abort. C'est vrai ou pas? Non, je crois pas. There are three other Russian spacecraft currently docked to the station. Two of them are Abort, bip, Progress or on me dit, mais je pense pas. cargo spacecraft, Ah non, je and pense que ça one doit is être. another. Si jamais il y a un problème dans le lanceur, c'est pour ça qu'il disait ça. Progress Tour de sauvetage n'a 75 servi qu'une seule fois dans toute l'histoire, donc bon, pas très utile quand même. Ah, pas très utile, mais. Oui, enfin, Ouais, vas-y, vas-y. techniquement, il y a une fois où elle a été utile sur le pas de tir, une fois où elle a entraîné la mort de l'équipage et une fois où elle a sauvé l'équipage sur le Soyouz. Donc c'est vrai qu'elle n'est pas très utile, elle est limite dangereuse, mais c'est pas Mais elle une est fois en là. fait. Non, ouais. Du coup, Parce là, qu'il y vous. a, y a, y a un Vas-y. deuxième système d'éjection en fait qui est dans la coiffe. Parce qu'il y a un moment dans le vol, on va faire dégager la tour de sauvetage parce qu'elle serait inutile. Cette altitude, mais il y a quand même un autre système, et c'est celui-là qui avait été utilisé entre guillemets récemment. Je crois que c'était en 2019 ou en 2018. Waouh, même je crois Je que sais ça remonte. plus ce que c'était. Ah, peut-être 2018, voire 2017, hein. Je crois que ça remonte quand même à pas mal. Oh, 2018, ça doit être 2018. Il me semble que c'est 2018. Ouais, voire. Il y a des gens qui se rappellent Ouais, de bref. l'émission. C'était Soyuz 17, je crois? Non? Je sais plus. Je sais plus ce que c'était la mission. MS 07 ou quelque chose comme ça. Mais ça Ouais, rajoute un peut-être. petit style d'avoir une fusée sur une fusée. J'avoue que c'est classe. Oui. Du coup, là, on a la vue de la station spatiale internationale. En ce moment, du coup, vous avez la capsule Crew Dragon. Donc, du coup, elle ressemble à ça. Si les gens qui l'avaient pas vu. Donc, elle ressemble à ça. Et puis après, vous avez tout ce qui est cargo. Vous avez les vaisseaux.
bah, les vaisseaux Cygnus Progress, qui sont des vaisseaux cargo qui permettent de ravitailler la station. Et du coup, le Soyouz MS-18 devrait s'amarrer bah, sur ce port-là. Et MS-17 est du coup amarré juste ici. Voilà. Après, leur live est bien documenté, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, ça c'est bien, par contre. Il est moche, mais on comprend. Bon, du coup, lancement dans 12 minutes maintenant. Déjà, il fait jour à Baïkonour, hein. Ça c'est le plaisir, parce que les lancements de nuit... Déjà que la qualité est pas ouf, alors imagine de nuit, c'est pas quoi. Ça dépend, mec. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Ah, je crois que... Attends, alors, je suis pas bilingue. Utilise aussi du RP1 comme fuel. C'est le même oxidizer que NASA utilise pour lancer Crew 1. Je crois pas que c'est du RP1. Hein. Si, c'est du RP1. C'est du RP1. C'est le RP1. Ouais. Ok, je pensais que c'était vraiment du kérosène pur. Mec, c'est pas une bonne idée de mettre du kérosène pur dans le kérosène pur. Ok. Bah, du coup, ouais, ok. Même... Même carburant. D'ailleurs, le RD-107 et le RD-108 a 4 tuyères et 4 chambres de combustion. Du coup, quand on voit le bas de la fusée, on peut se dire, attends, mais il y a 4 moteurs là. Mais en fait, non, c'est bien un seul moteur. Oui, on avait parlé d'ailleurs pour... on passe la pub, hein, mais les Russes aiment bien faire ça. Les Russes sont un peu les pionniers là-dedans, on peut dire. On l'avait vu avec le RD-100... Waouh, pour Energia, je ne sais plus comment il s'appelait le... Alors, il y a le RD-170, et le... mais je crois que le RD-180, lui, il n'en avait entre guillemets que deux, ouais. De mémoire. Parce qu'on avait fait une vidéo sur Energia, sur la chaîne de Yataka. Et du coup, on parlait un peu de ça, des moteurs, un peu la fabrication, en fait, de... comment la Russie fabrique un peu ses fusées, quoi. C'est sympa de savoir. Et du coup, voilà, on parlait un peu de la technique, quoi. Parce que là, ouais, c'est vrai qu'il y a 4 tuyères. On a vu. Voilà, à l'heure actuelle, je pense qu'ils sont dans... Ils sont dans la capsule. Ils sont dans la capsule. Voilà, donc vous avez toujours... petit tour au sauvetage. Donc là, les canfines, ouais, ils sont juste là, en blanc, comme ça. Voilà. C'est Soyouz MS-10 qui a utilisé le système d'éjection le 11 octobre 2018. Ah, c'est en 2018, ça. Ok. Ça se passe vite, hein. Ouais, ça se passe plutôt vite, ça. Là il nous raconte un peu comment ça va se passer, je crois, par rapport au lancement. Donc là voilà, on a la séparation des... Et en fait il y avait eu un problème du coup pour MS-10. Il y avait eu un problème au niveau de la séparation des 4 boosters latéraux. Puisqu'il y avait eu un qui était resté, je crois, quelque chose comme ça. C'était mal éjecté. En fait, oui, c'était mal éjecté. Ouais. Il y a des petites fusées, disons, qui sont censées éloigner les boosters. Je crois que ça n'avait pas bien marché et qu'il était revenu taper contre le corps central, ce qui n'est pas optimal pour une fusée. Non. Et du coup, on a été obligé de jeter. Ouais. Du coup, bah là, vous avez vu à peu près comment ça se passait. Je peux vous remettre. Donc là, ouais, en gros, il y a vraiment que 3 étages, enfin que 2 étages plus la capsule. Pour ce vol, il y a énormément de variantes, de variantes au niveau du Soyouz. Ouais. Il y a Closer to Space, il me semble, qui avait fait une vidéo dessus. Elle est assez longue, mais je crois qu'il parle de toutes les variantes ou presque du Soyouz. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez peut-être aller voir. Yes. Et du coup, bah, bientôt la vidéo d'Yataka sur le Soyouz. Voilà. Je vais pas parler de toutes les variantes, clairement. Non, mais voilà, vous pourrez à peu près comprendre le truc. Donc allez vous abonner à la chaîne de Yataka, bien sûr, qui est dans la description, bien évidemment.
Donc lancement maintenant un peu dans moins de 9 minutes, le plaisir. Voilà. NASA Public Affairs Officer, the one and only Mr. Rob Navius. Rob. Qu'est-ce qu'on peut rajouter We are compelled to take a look back at the historic symmetry of this flight to the International Space Station with events that transpired here. Donc c'est lancé du Kazakhstan pour ceux qui se demandent. On n'est pas sur on n'est pas du tout en Russie. Je crois que c'est même pas bah, c'est au Kazakhstan c'était dans l'ancienne URSS quoi. Ce niveau en dessous de la Russie quoi, entre l'Ukraine et la Russie si je me trompe pas, je crois. Enfin pas entre mais en dessous l'Ukraine et la Russie. Je crois mais alors là je vais checker parce que je peux pas venir à n'importe quoi. Et du coup c'est lancé de Baïkonour. Voilà, c'était là où était lancé Energia. Enfin Energia a fait je crois deux vols. Je crois. Non. Oui. C'est là où sont lancés les Soyouz depuis des années et des années. Mais il y a quand même des Soyouz qui sont lancés de Guyane, hein, Guyane française. Du coup, ouais. pour Ariane Space, bien sûr. C'est en dessous de la Russie. En dessous de la Russie. Voilà. Ukraine, ouais, c'est quand même plus à gauche. Hein. Bon, là, on a la vue du coup des. Juste à gauche. Géographie avec Arnaud. Ah, plus à l'est. L'ouest. Bon, bref. Voilà. Alors, oui, le grand JD avait vu les Bourans qui sont au Kazakhstan. Mais il n'avait pas vu d'Energia, parce qu'en fait, il n'avait juste pas. Il avait vu une fusée. Ouais, il me semble que c'était une Energia M. Ouais, c'est possible. Mais oui, il avait vu. Une Bourane qui était un peu délaissée. Hein, voilà. Mais la vidéo est très bien, vous pouvez la voir. Ils font un peu de l'histoire du coup de cette navette. Et nous, on l'a fait un petit peu plus détaillé sur la chaîne YouTube de Yataka. Voilà. Donc maintenant, on a un peu moins de 6 minutes, on devrait avoir le décollage du Soyouz. Voilà. Pour un maximum de plaisir, bien évidemment. Et ils n'ont toujours pas investi en caméra, et c'est le plaisir. Absolument illégal, bien évidemment. Et évidemment, n'allez pas au Kazakhstan si vous voulez pas finir en morceaux, bien évidemment. Si vous voulez finir découpé comme le Soyouz en trois parties, eh bien, vous pouvez aller au Kazakhstan. Voilà. Si c'est votre délire. Si c'est votre délire, vous pouvez. Je vais voir un peu le live. Ouais, j'ai pas freeze. Okay. Elle est chouette cette tablette. Pas autant que celle de la Coupe Dragon, mais bon. Ouais, non mais après, voilà, ça n'a rien à voir. c'est vraiment. Ça n'a pas grand chose à voir. Vous pouvez aussi les voir. Après ce live, bah là, on a l'équipage. On a les trois astronautes. Enfin, les trois astronautes, non, deux cosmonautes et un astronaute. Les cosmonautes, c'est les Russes, et les astronautes, c'est les Américains. Et basiquement, à peu près tout le monde. Oui, bah aujourd'hui, on ne sait plus trop, mais quand même, les Russes, ils sont toujours à l'affaire. On est cosmonautes, les frères. Pareil, je crois qu'il y a les taïkonautes pour. Je crois que c'est le Japon, non ? Ou la Chine ? Non, c'est pour la Chine, taïkonautes. Ah, la Chine, ouais. Japon, c'est astronaute. Soyuz, c'est une boomer. Plutôt. Je te permets pas de dire ça en fait, Matt, tu vois. Surtout parce quand. Que ta petite Falcon 9, elle est dégueulasse comparée au Saint-Soyuz, tu vois. Au Saint-Soyuz. C'est notre nouvelle religion. C'est vraiment à la pointe de la technologie. Bah après, ça fonctionne. Hein. Et. Bah voilà. C'est pas parce que c'est techniquement le premier lanceur orbital à avoir existé que ça marche pas. Les technologies n'ont même pas tant évolué depuis le Soyuz. Il est comme toi, Matt. C'est un boomer, effectivement. Ça clash. J'aimerais que Matt change sa réaction sur Discord en disant je suis un boomer et je l'assume. Sur Discord. Salut la ref. Oh, il y en a elle. Salut. Bientôt on va commencer là ce soir là. Le plaisir.
Bon, maintenant, lançons dans 3 minutes, là. Là, je commence à mettre le son. Je voulais dire quelque chose tout à l'heure, mais je sais, j'ai perdu ce que je voulais dire. Under 3 minutes and 20 seconds away, 3 minutes. Awaiting the call that the booster's fuel tank... Petite anecdote d'ailleurs sur les boosters du Soyuz. À la base, ça avait été, on avait choisi d'en 4 justement pour éviter d'avoir un second étage qui serait allumé en vol, parce que c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire à l'époque. Alors qu'allumer 5 moteurs au sol, bah, ça on savait le faire. Donc, bah encore aujourd'hui, on n'allume pas les second étages, on est d'accord. Bah, le second étage, si, on allume en vol, mec. Si tu l'allumes au sol, bah, ça brûle. Ah oui, en vol, oui, ok. Oui, tout à fait. That taller one's going to separate at about 35 seconds before launch, and the smaller one about midway up the rocket will separate, and once you see that separate... Ah, je voulais vous parler, voilà ça, je voulais vous parler un peu de l'histoire, parce que j'ai fait deux vidéos, parce qu'en fait le Soyuz a eu quand même pas mal d'échecs, enfin il y a eu un échec majeur, c'était avec Vladimir Komarov, c'était le Soyuz 1, donc le premier lancement. Et il devait, je crois, se mettre en orbite terrestre. Mais il a réussi à se mettre en orbite terrestre. Donc Soyuz 1 a réussi à se mettre en orbite terrestre. Mais en redescendant, il y a eu un petit souci. Et du coup, je vous invite à aller voir ma vidéo sur Soyuz 1. Voilà. C'est le sacrifice de Komarov, ça s'appelle la vidéo. Presque 3000 vues. Hein. Enfin, on est à plus de 3000 vues, donc merci à tous. Voilà, si vous voulez la voir... j'ai fait ça avec Cosmo. Donc voilà. J'ai fait d'ailleurs une série sur les drames spatiaux, parce que on parle souvent des victoires, mais pas souvent des personnes qui sont décédées. On parle souvent des navettes spatiales, mais encore c'est toujours côté américain. Que la NASA. On oublie un peu trop souvent l'URSS. Et comme je le dis dans mon clash de la NASA, tu t'es fait dominer par l'URSS, bien évidemment. Voilà. Non mais c'est vrai, moi en vrai ça me saoule un peu, parce qu'on oublie un peu trop, l'URSS. Surtout que la quasi-totalité des fusées américaines sont moches, donc... Alors les fusées russes, mamma mia. Hein. Bon. On va se muter sans doute. Et on va vous laisser le petit lancement. Okay. Ground propellancy terminated. Je comprends tout à fait ce qu'elle dit là. Elle est pas en train de parler russe là. Le petit plaisir. Ah, on a la tour qui se largue là. Enfin, la tour. Non, c'est pas trop une tour. Je sais pas comment on peut appeler ça. Bon, je vous laisse profiter. Fusée américaine, c'est aussi tellement cher. Oui, c'est sûr. C'est clair. Allez, c'est parti. Auto sequence initiated. Second umbilical separated 15 seconds from launch. Launch command for ignition. Please wait to now. Second umbilical tower separate. And we see booster ignition. Engines at maximum thrust. And liftoff. Soyuz MS-18 on its way to the International Space Station. 10 seconds, the booster parameters are nominal. Everything is good on board. Hearing nominal performance, the first stage delivering 930,000 pounds of thrust from those four first stage boosters and the single core engine. 30 seconds into the flight, the parameters of the booster are nominal. Everything is fine on board. 40 seconds. The vehicle is stable. Everything is good on board. Continuing to hear good performance calls. A quick look inside the capsule. You can see the crew strapped in and monitoring displays as they continue on their way uphill. Tout à l'heure nominal. Just past the 1 minute mark into flight. CTR and roll are nominal. Ouais, tout est nominal. Je viens de le dire. Donc, c'est à dire que tout va bien actuellement. 70 seconds into the flight. Everything is nominal. We are good on board. Ok. Tout a l'air d'être bon. Ah là là, quel beau lancement. C'est pas les mêmes micros que la Falcon 9, mais bon. Il est même micro de la nuit Shepard.
Parce que, punaise, la New Shepard quand ça décolle, ouah, ni la, oui, c'est clair. Mais sympa. Franchement, c'est mythique, hein, un décollage de Soyouz, c'est toujours aussi classe. Ah Hein. oui. Avec les 4 propulseurs et tout, je trouve ça trop stylé. Parce que la séparation là qui va être insane, bien sûr. Oui, je vous essaie. Ah voilà, on a les 4 boosters, voilà, juste ici. Voilà, les 4 boosters ont été éjectés, c'est bon. La croix de corollaire. Now the single core stage continuing to Wow. power the Soyuz spacecraft into flight. Copy. Just Donc là, on a before une vue that, intérieure. The launch On a escape les. tower was also Là, jettisoned. Soyuz does maintain escape capability all the way to flight, though, with the stage able to use for a short time small boosters on the shroud itself. And then once the shroud detaches, Normalement, le premier étage est encore allumé là, mais je crois qu'il est encore allumé. Hein. Je suis pas sûr. Oui, il est encore allumé pour. Ouais. Normalement, oui. Hein. Une bonne centaine de secondes. Ouais, voilà, il est encore allumé. Donc la coiffe a été éjectée et la tour de sauvetage aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Parce qu'elle ne sert plus à rien cette altitude. Hein. Là, s'il y a un problème, bah, il meurt. Hein. Littéralement. Mais pas trouvé sauvé là. Je parle russe, donc je sais exactement ce qu'ils disent ici là. Bien sûr. Ouais, les chiffres, ce qu'ils montrent, on arrive à les lire là. Ils ont essayé un petit effet 3D, n'empêche. Bah, c'est pas. Bon. C'est. Un effet 3D quand la vidéo est en 4 tiers, je suis pas sûr que ce soit le meilleur délire. Hein. J'arrive pas à savoir les. Ah, mettre. Ouais, kilomètres. On est à il me semble quoi, que là, ils ont passé la ligne de Kármán, là. Oui, bah oui, là, il y a écrit 110, 118 kilomètres, donc je pense que oui. Oh, ça aurait pu être la POAP 6, mais Ouais, c'est ce que qu'un je me suis chiffre dit très gros en aussi. bas. Parce qu'ils l'ont quand même passé assez vite, là, j'ai l'impression, non? Quoi que... C'est les Soyuz, mec. Oui, c'est ça. C'est ce que je me dis aussi. Ils ont quand même fait, ils ont quand même mis une petite vue embarquée, donc là on a la Terre, c'est beau. La Terre, le désert grec. La Terre qui est plate hein, pour les gens qui demandent. Ah oui, ceux qui ne savaient pas aussi. Oui, la Terre est tout à fait plate actuellement. Juste ici, on le voit bien hein, de toute façon. Ça a été tourné en studio et là c'est retransmis. 250 seconds into the flight, pitch your end roll nominal, everything is good on board. Tout est nominal, pas de problème. Ça a l'air d'être bon. Calls relating to the attitude or which way the vehicle is pointing. Hearing nominal is what we want to continue to hear on the way uphill. Everything continuing to perform normally with the Soyuz spacecraft and the rocket. 4 minutes and 40 seconds into flight. Ça fait 4 minutes qu'il en vole, je crois. 2, 3, 4, ouais. Ah, le premier Alors, étage va bientôt s'éteindre. Ouais, j'ai l'impression aussi. Ok, séparation. Bon, ça, vous inquiétez. Le débris là, il reste pas en orbite. Hein, vous inquiétez pas, parce que là, on n'est pas encore en orbite. Il redescend sur Terre, hein, vous inquiétez pas. Donc là, en fait, on a l'allumage du second étage. Et je crois que le premier étage est aussi en train de pousser. Hein. Les deux sont en train de pousser là. Soyuz now being propelled by the single engine of the third stage, providing about 67,000 pounds of thrust. This is going to continue to burn for about 4 minutes. It's going to shut down at 8 minutes and 46 seconds into flight. Les deux peuvent pas. Ouais, je sais. Ouais, c'est ce que je disais. The third stage is functioning nominally. Everything is good on the board. Copy, Kasper. Ouais, ok, donc là on a une vue, une meilleure vue. Du coup, il y a bien le second étage qui est en train de pousser la charge utile qui est juste ici, donc le Soyuz. Voilà. Donc c'est parfait. Parce que c'est vrai que cette vue-là se fait bizarre, hein. On dirait pas que ça s'est éjecté, mais ouais.
Copy, Casbio. Mec, je pense qu'on aurait dû aller sur le live de Roscosmos. C'est meilleur? Je crois, hein. Je vais checker. 400 seconds into the flight, the vehicle is stable. Everything is good on board. Now, just about 2 minutes left, a little under 2 minutes of power on the third stage. Je vais checker le live de Once it shuts down, it Roscosmos. Ah oui, separates just a few seconds later. The Soyuz bon, spacecraft will be c'est différent, flying mais free. c'est quand même mieux. And Déjà, il y a les series of 1080 Ah oui! commands will execute, Ah bah, littéralement. deploying a number of the Alors, les appendages gars, la NASA s'acharte. Au revoir, adios. Là, on a les phases de vol et tout, c'est. Aïe, aïe. Ah ben voilà, mais j'aurais vraiment dû mettre ce live en fait. Putain, mais la NASA, ça. C'est vraiment pas ouf. Puis on a le son et tout. Oh là là, avec le plaisir. On a le son, mec, mais il n'y a pas de son dans l'espace. Ouais, mais là, on a du son. C'est très bizarre. Je sais qu'il n'y a pas de son dans l'espace, mais. D'accord qu'on entend les moteurs là. Je pense que c'est le son de la capsule. Ah, c'est pas bête. Ah, et puis c'est traduit en plus. Putain, j'aurais carrément dû aller sur ce live. Ok. Bon bah du D'accord, coup on on se s'approche souci à peu près au niveau. On s'approche de la séparation du troisième, juste ici là. Enfin de la séparation. Je crois que c'est l'extinction du second étage. Ouais, c'est le troisième étage, cut-off. Ouais, et puis on va avoir la séparation après de ce. Ah mais il est clairement mieux ce flux là. C'est pas tout Ouais. Ok. Séparation. Nickel. Ouais, séparation. Voilà, là on voit bien le second étage là, partir du troisième. Non, je crois que c'est peut-être le troisième. Je sais pas si on voit la vue le bas du Soyouz. À gauche on avait une vue du Soyouz. Et à droite aussi je crois, mais c'était notre caméra. Bon là c'est clairement le Soyouz, on a les panneaux solaires qui sont déployés. Et on a ces deux personnes très sympas. Ils sont très très beaux en tout cas. Très sexy. Mmh. Voilà, qui parle russe et je maîtrise le russe bien sûr. Donc je pourrais le traduire en temps réel. Bien sûr. Et C'est russe faux. LV3, non? J'ai fait... Non, russe LV1. Bien évidemment. Ah, LV1, carrément. Bon du coup, bah, lancement réussi pour le moment, il n'y a pas eu de problème, tout a été nominal comme souvent un vol de Soyouz, il n'y a pas de soucis. Pas bien part pour MS-10 du coup, mais... Oui, du coup, ouais. Mais c'était, ouais, ça a été une fois sur... du coup, c'est pour ça qu'on avait d'ailleurs beaucoup entendu parler. C'est parce que, bah, parce qu'elle est tellement sûre que bah, quand il y a un problème, ça fait énormément de bruit, quoi. Mais là, du coup, tout a été nominal. Elle l'a rappelé plusieurs fois. Elle fait tout est nominal. C'est le seul mot que je comprenais, donc c'était vraiment le plaisir. Et du coup, voilà, tout a l'air d'être bon. La capsule, c'est le Soyouz, c'est bien séparé. C'est bien séparé comme il fallait. Les panneaux solaires ont été déployés, donc apparemment, tout a l'air d'être bon. Maintenant, faut se mettre sur la bonne orbite. Voilà, il s'arrime à Ouais, l'ISS faut... quand? Alors ça, j'ai pas la date, mais tu pourrais peut-être expliquer, toi, par rapport à KSP, tout ça, comment on se met sur la bonne orbite de l'ISS, comment, bah, en fait, comment on court derrière l'ISS, entre guillemets, si on peut dire ça. Au début, il faut avoir une orbite un petit peu plus haute, et puis il faut faire une manœuvre de correction pour être sur la même orbite. Et ensuite, on s'aligne et on se dope, quoi. Hein. Je fais beaucoup de d'amarrage en KSP, moi. Hein. Pas beaucoup d'amarrage. D'adamarrage. D'adamarrage, j'essaie de voir, mais je l'ai pas du tout. Le lana. Ça devait être. C'est peut-être aujourd'hui ou demain, quoi, mais. Pas ça doit être aujourd'hui. Ouais, il y a moyen que ce soit demain. Demain. Demain matin, peut-être. Souvent, c'est comme ça. Ça dépend. Bon, là, ils sont en train de faire leur pub pour leur jeu mobile, là. Enfin, leurs applications. Pas ouf.
Je suis pas sûr que ce soit un jeu, mec. Non, c'est pas un jeu, mais Si tu ouais, es. ils ont vraiment fait leur pub. En... Du coup, là, je vais retourner sur le live de la NASA. En 4 tiers, le plaisir. Évidemment. Du coup, je vais essayer de chercher cette info-là. Date Tamara, je l'ai pas trouvé, je crois, quand j'avais fait mes recherches. Docking date, ils mettent le 10 avril, donc demain à 11h UTC, donc ça devrait être pour nous vers midi, je crois, parce qu'on est en UTC plus 1, je crois. Enfin, pour. Ou UTC plus 2, je sais plus. Oui, c'est ça. Moi, je suis en UTC plus 4. Oui, parce que y a TK et Dalimrose. Donc voilà. Donc demain, normalement, demain dans la matinée, comme j'ai. Normalement. Dans la matinée, ouais. Nickel. Du coup, voilà. Du coup, oui, avant le lancement, on disait qu'il y avait plein de fusées américaines, des entreprises privées sont moins chères. Parce qu'il y avait Jacqueline, je sais pas comment on dit. Les fusées américaines sont aussi tellement chères. Bah après, c'est les fusées américaines qui datent. Ça dépend, les fusées de la NASA, oui, coûtent extrêmement cher, mais les fusées des entreprises privées, pas vraiment. Ouais. Pas vraiment. Parce que la NASA fait du neuf avec du vieux, donc elle utilise les. Par exemple, pour là, le SLS, elle va réutiliser les moteurs RS-25 de la navette spatiale américaine. Mais au lieu de redévelopper des moteurs, parce que ça coûterait trop cher, mais en même temps. Surtout un peu bloqué parce que bah, les RS-25 coûtent aussi cher donc bon, quelle était la meilleure solution? Est-ce que c'est. Normalement, il devrait pas venir moins cher, mais. Oui, Normalement. normalement. Donc, oui, mais aujourd'hui, non, mais SLS, ça serait, on estime, un lancement à 2 milliards de dollars donc. Quasiment 1 milliard par vol, c'est ça? Bah, moi j'ai ouais, 2 milliards, Terra, tac, qui apprend. 2 milliards avec les Ryzen 5 et tout ça, ça coûte cher. Hein. Il faut se dire que le SLS n'est pas réutilisable. Hein. Je crois pas que les boosters. Peut-être les boosters ils réatterrissent dans l'eau. Avec des parachutes comme. Ils vont peut-être faire ça. Normalement, c'est possible. Mais. Et puis, ce serait pas rentable. De quoi? Parce qu'ils avaient arrêté pour la navette. Ça serait même pas rentable de toute façon. Ouais. Pour la navette, c'était pas rentable. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Super. Bon, Niveau bah là. sécurité, bon. Bah là, je vais peut-être arrêter le live parce que du coup, on va pas attendre 24 heures pour qu'il se dock. Hein. Je peux vous le cacher. Bon, ouais, pourquoi pas, hein. Pour... Moi, je suis chaud. Ouais, bon, pas ouf. Du coup, bah là, faut que je trouve une trajectoire. Non, ils ont abandonné la réutilisation des boosters. Oui, bah depuis Challenger, ils ont fait. Oula, buenos dias. Ils ont fait. Bon. Parce que ça avait explosé à cause d'un booster, à cause d'un problème de joint. Je crois. Donc les joints qui cèdent les deux parties des boosters, pas les joints. Bon, vous avez compris quoi. Bien sûr. Enfin, pas les deux, hein, parce qu'il y a plus de segments que deux. Bon, du coup, voilà. Ma caméra encore freeze, mais c'est incroyable. Hein. Oh là 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 là. C'est dingue. Scandaleux. Et Scandaleux. puis en plus, ma pose est absolument incroyable. Oh oui, mais là, j'ai pas froid. Là. C'est pas génial. Merci, mec. Allez, screenez ça et envoyez-le sur Twitter, tu vois. Sur Twitter, on va faire le milieu du. Bon, ça revient là. Tac. Tac. Ça devrait arriver, hein. Le logiciel est en bêta, hein. Faut pas m'en vouloir. Voilà, c'est bon. Nickel. Pour vouloir le logiciel. Faut pas en vouloir au logiciel, bien sûr. Du coup, bah voilà pour ce lancement. Si on peut récapituler, bah tout s'est bien passé. Hein. Il y a eu du coup la séparation des quatre boosters latéraux qui s'est passée sans trop de problèmes. Séparation du premier et du second étage sans souci non plus. Et la capsule a été, le Soyuz a été bien mis là sur son orbite. Elle est en train de rejoindre l'ISS sans problème. Donc, Pour bah nous, on se voit là. rejoignez-moi sur Twitter, Instagram. S'affiche là, c'est en dessous là. Je vous mettrai les petites infos concernant l'amarrage demain du Soyouz. Si ça s'est bien passé, etc.
Donc voilà. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. On a à peu près fait le tour de cette mission. Donc merci à tous d'avoir été là. Allez vous abonner à la chaîne de Yataka qui se trouve dans la description, bien N'hésitez évidemment. Voilà. Et puis bah, pour nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau live. Bien sûr, je serai en live, hein, je le précise, mais le 22 avril, dès 10h, je serai en live pour stream le Crew 2 de Thomas Pesquet. Bien évidemment, avec Yataka, je crois. Et Ospos Cosmo, peut-être, c'est pas sûr. Et je crois que je serai en même. Je serai relié avec Mathieu Mars qui lui aussi fait un live. Voilà, on s'appellera et du coup on pourra discuter comme ça un peu du vol qui va renvoyer notre Français, bien sûr, dans l'espace pour la première fois. Et en plus, il sera commandant de sa mission. Donc, c'est absolument Non, pas insane. pour la première fois. Non, mais je veux dire, je crois que c'était la première fois. C'est la première fois qu'un Français devient commandant comme ça. Voilà, ce que j'ai vu. Ouais, sûrement. Merci les refs. Eh bien ouais. Bah écoute, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo aussi sur l'impression 3D. C'était une petite entreprise made in space et pas made in space bien sûr. Made in space, voilà qui fait un peu tout ce qui est imprimante 3D, etc. Pour l'espace, hein, c'est de l'imprimante 3D pour l'espace. Du coup, c'est assez passionnant. J'en ai fait une vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et mercredi prochain, il y aura aussi une Astro News qui est un petit peu particulière. Donc voilà, c'est un nouveau format que j'ai essayé de tenter. Bon, si vous aimez Clash de la NASA, normalement vous allez bien aimer cette Astro News. Voilà, j'en dis pas plus. N'hésitez pas à aller vous abonner du coup à la chaîne de Yataka. Et puis on se retrouve, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et puis on se retrouve très prochainement pour un nouveau live et une nouvelle vidéo mercredi prochain. Donc c'était la ref. Allez, à plus. Yeah.